Opebe opebe marini Opebe wako meyinge Matoto opebe opebe marini Opebe wako meyinge Ibaba ibise bezobe rokamuna Opebe waka webise o Si vous voulez avoir une place dans le top Marie avant que vous reçiez le chapelet, priez sans cesse. Par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, nous pouvons tout avoir. Oh bébé, oh bébé Marie, oh bébé, waouh, bébé. Comme ça, tout est officiel. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant ? J'ai choisi le prénom Kéliane. Kéliane, que demandez-vous pour Kéliane à l'église de Dieu ? Le baptême. Et enfin, quel nom avez-vous choisi pour votre enfant ? Kevin. Que demandez-vous pour Kevin à l'église de Dieu ? Le baptême. Le baptême, parfait. Nous nous trouvons sur le parvis de l'église. Pour rappeler, je sais que certains de mes confrères commencent directement devant, dans le sanctuaire, au maître-autel ou sur, au baptistère. Pour ma part, je préfère cette coutume qui est une coutume ancestrale, le saviez-vous. Au début de l'histoire de l'Église, nos premiers devanciers étaient sous une période de persécution et ne pouvaient pas célébrer en public les sacrements. Alors ils le faisaient dans des maisons particulières, des maisons patriciennes, un peu grandes quand même, pour accueillir une foule de plus en plus nombreuse. Et pendant qu'ils étaient préparés au baptême, les adultes, qu'on appelait les catéchumènes, comme vous le savez sans doute, participaient de dimanche en dimanche à la messe,
mais uniquement à la première partie. L'assemblée des baptisés était dans la maison, on ouvrait les portes comme ici, et sur le parvis se trouvaient tous ceux qui aspiraient au baptême. Une fois que les lectures bibliques avaient été faites, une fois que l'homélie avait été prononcée, le sermon, on leur demandait de leur retourner chez eux, on fermait les portes, et seuls restaient les baptisés pour la deuxième partie de la messe, c'est-à-dire pour la liturgie eucharistique, avec le pain et le vin dans lequel Jésus mystère de son destin. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore prêt, n'ayant pas reçu la foi par le baptême, il n'était pas encore prêt à comprendre ce qui se passait, c'est mystérieux, que Dieu, le Fils de Dieu, descend dans un peu de pain, un peu de vin, c'est devenu un peu révoltant pour l'intelligence. Voilà. Et puis, comme ça, de dimanche en dimanche, jusqu'au jour où, le jour béni de leur baptême, après avoir stationné ici comme d'habitude pendant les lectures bibliques et l'homélie, ils entraient au fond de la maison, on les y baptisait, et ensuite ils rejoignaient immédiatement les baptisés pour pouvoir participer à la messe, recevoir la communion et même le sacrement de confirmation. Voilà. L'Église est bonne mère, donc elle n'impose pas à nos trois jeunes enfants des longs mois de préparation au baptême. On écoute tout ça, mais ce qu'on va leur montrer, c'est voilà, tout le monde et ce qui normalement se fait lorsqu'on se prépare au baptême. Tout l'enseignement qu'on aurait dû leur fournir avant le baptême, ils sont encore trop jeunes pour recevoir, et bien c'est à charge à vous, les parents, parrains et marraines, de les y aider une fois qu'ils auront l'âge de raison. Une fois par elles, en très bonne voie. Voilà. Vous demandez le baptême pour vos enfants, vous devrez les éduquer dans la foi, leur apprendre à garder les commandements pour qu'ils aiment Dieu et leur prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous conscient de cela? Et vous qui avez accepté d'être les parrains et marraines de ces enfants, comme vous savez, vous devrez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Avant que je ne vous pose la question pratique, pour savoir si vous êtes d'accord ou pas, mais votre présence en témoigne, mais bon, quand même, c'est le rite qui veut ça encore, je me permets de vous préciser une chose. Le statut de parrain, parraine, a été choisi évidemment parce qu'il y a une tendresse, une proximité, peut-être du sang, une proximité amicale avec les parents, mais ce n'est pas d'abord ça qu'il faut appeler. Vous allez les couvrir de cadeaux, je suis sûr, et les enfants seront ravis. Bon. Mais ce n'est pas d'abord ça, vous savez, la charge de parrain, parraine. C'est d'abord une charge spirituelle. Et c'est pour ça qu'on choisit d'ailleurs un homme et une femme. Comme s'il y avait un nouvel enfantement, non pas charnel, mais dans l'ordre de la vie spirituelle. Et dans un instant, je vais signer les enfants, pour la première fois au nom de l'Église, ensuite les parents, et puis vous allez le faire à votre tour. C'est tout de même assez bizarre qu'on accueille des enfants avec un signe qui normalement devrait nous glacer d'effroi. Parce que la croix, on a l'habitude maintenant de la porter en sautoir, vous savez, en pendentif, magnifique, toute dorée, elle est à tous nos carrefours, on se signe sur les terrains de foot et autres lieux sportifs, bon d'accord. Mais en réalité, c'est un peu comme la guillotine, c'est comme la chaise électrique. C'est l'instrument le pire que l'Empire romain, qui pourtant se targuait d'être juste, avait inventé pour faire mourir les condamnés à mort. Qu'on condamne à mort, pourquoi pas des malfrats? Ça reste à discuter. Mais qu'on les laisse mourir d'une manière aussi odieuse, il fallait des heures avant que la personne ne meure d'étouffement. Tout est enregistré en plus, hein, donc on ne peut pas dire que ça n'a pas eu lieu. Voilà. Chers enfants, Raphaël, Kéliane et Kevin, entrez dans la maison de Dieu afin d'avoir part avec le Christ pour la vie éternelle. Amen. Alors je vais, c'est pas obligatoire, mais j'aime bien le faire. Je porte autour du cou ce que vous savez être une étole, qui est le symbole d'autorité reçue dans l'Église. Les diacres, les prêtres et les évêques portent ceci pour manifester qu'ils ont reçu l'ordination et donc la capacité de célébrer les sacrements, en dépit de leur misère, leur pauvreté, voilà. Mais il y a un deuxième symbole, une deuxième signification qui est attachée à cette étole, que je trouve plus suave, plus spirituelle. Jésus se compare dans l'Évangile au bon pasteur, celui qui va chercher la petite brebis errante, qui est allée faire l'idiote, quoi, qui est fatiguée, qui n'est même plus capable de marcher. Il la charge sur ses épaules, laissant le reste du troupeau vaquer, parce qu'il est suffisamment mûr, et il le ramène dans le sein du troupeau. Et bien c'est ce que je vais faire avec ces enfants. Alors, il ne conviendrait pas que je les hisse sur mes épaules, c'est quand même pas très, c'est un peu déplacé, mais de manière symbolique, c'est une brebis que j'ai autour du cou, et voilà ces trois petites brebis que je vais, avec joie, emmener à l'intérieur du troupeau, plutôt à l'intérieur du bercail, vers les eaux revigorantes du baptême. Hop, on y va. Et on peut y aller en chantant. Thank you.
Jésus Marie, d'intercéder pour nous auprès de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Ainsi soit-il. Préliminaire au baptême, avec cette première, cette prière d'exorcisme et de délivrance. Non pas que ces enfants doivent faire l'objet du grand exorcisme, vous savez, celui dont on a des représentations cinématographiques toutes plus délirantes les unes que les autres, mais qui néanmoins évoque un sujet grave et effectif. Lorsque quelqu'un se compromet gravement avec les puissances du mal, il faut extirper Satan de lui. Ça n'est pas cela dont il s'agit. Ces enfants n'ont rien commis de mal pour l'instant, mais ils sont marqués du péché originel.
et le baptême va les en laver gratuitement. Alors je vais prononcer, en demandant au Père de bien vouloir éloigner Satan et ses forces, la prière d'exorcisme et de délivrance. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que ces enfants, comme chacun de nous, seront tentés par les mensonges de ce monde et devront résister à Satan. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-les au pouvoir des ténèbres, donne-leur la force du Christ et garde-les tout au long de leur vie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Ce fameux péché originel, qui n'est autre en réalité que l'inclination naturelle, plus facile à faire le mal que le bien, c'est ça le péché originel. C'est ce qu'on appelle la concupiscence, qui n'est pas seulement, qui ne regarde pas seulement le domaine de la sexualité, qui est bien plus large, la convoitise dans toutes ses dimensions. Il faut que le Seigneur nous détorde, nous désincurbe et nous oriente vers le bien. C'est ce que fait le baptême. Donc rendons grâce à Dieu pour cela. Je vais prendre l'huile, la première huile du baptême, l'huile des catéchumènes, qui est un dérivé de cette huile dont on se servait dans l'Empire romain. Vous savez, dans l'Empire romain et en Grèce, était pratiqué un sport qui attirait des dizaines de milliers de spectateurs, tous plus galvanisés les uns que les autres, la lutte gréco-romaine. Et pour lutter ainsi, les deux hommes se faisaient face, ils étaient nus, et ils étaient revêtus des pieds à la tête d'une huile très grasse et qui sentait très fort. Elle sentait très fort, sans doute, pour couvrir l'odeur de la sueur, du vêtement, pour galvaniser, pour elle était très grasse, cette huile, afin que l'adversaire ne puisse pas avoir facilement prise sur le combattant. Vous voyez, c'est exactement ce que le baptême produit. Non pas qu'il shoot le baptisé, non, voilà, il ne couvre pas l'odeur de la sueur, mais en revanche, il nous permet d'échapper plus facilement aux tentations, en fait, d'échapper aux griffes de l'ennemi. Je vais revêtir le cœur de ces deux enfants de cette huile, afin que leur cœur, qui par le baptême va être orienté vers Dieu, vers le bien, vers leur prochain, ne soit pas, comme par les griffes de l'ennemi, vous voyez, capté et ramené à l'égocentrisme. Alors, si vous voulez bien approcher les trois bouts de chou, pour que je puisse leur mettre cette huile du salut. Raphaël, je vais t'en mettre juste sur le haut du cou, d'accord ? Alors, que la force du Christ te fortifie. On met là, attends, de l'autre côté, hop, voilà, c'est sur le cœur, mais je te dis. Lui qui est le Sauveur, qu'elle t'imprègne comme cette huile du salut dont je te marque dans le Christ, notre Seigneur, lui qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Kéliane, que la force du Christ te fortifie. Lui qui est le Sauveur, qu'elle t'imprègne comme cette huile du salut dont je te marque dans le Christ, notre Seigneur. Lui qui vit pour les siècles des siècles. Amen. J'ai pas beaucoup de huile dans le chat. Voilà. Kevin, bon. Alors mon bonhomme, regarde, un petit peu d'huile, ça va faire du bien. Hop. Kevin, que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur. Qu'elle t'imprègne comme cette huile du salut dont je te marque dans le Christ, notre Seigneur, lui qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Et puis je fais ce geste que Jésus à plusieurs reprises commet encore et toujours. Hein. Il met la main sur celui qu'il veut sauver pour montrer la tendresse de Dieu. Dieu qui a façonné Adam et Ève avec sa main, tout ça est éminemment symbolique, mais c'est très beau. C'est des cinq sens, le toucher est le sens de la tendresse. Quand on aime un enfant, chère maman, eh bien, on n'a pas besoin de lui parler, en fait. On le tient dans ses bras. Quand on aime son chéri, sa chérie, ben, on n'a pas besoin de se parler. On s'étreint, voilà. Et quand on est malheureusement au chevet de quelqu'un qui n'a plus l'usage de sa conscience, qui est dans un état végétatif, notre présence par le toucher est éminemment importante. Hein, c'est l'aumônier des hôpitaux qui vous parle. Voilà, que la force du Christ vous fortifie. Lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Et voilà. Je vais maintenant accomplir un autre geste que le Christ aimait accomplir en prononçant cette parole que vous connaissez, même si comme moi vous n'avez pas du tout la maîtrise de la langue araméenne, qui était la langue usuelle de Jésus. Vous connaissez au moins ce terme « Ephphatha », c'est-à-dire « ouvre-toi » pour rendre l'ouïe, pour rendre la vue, pour
rendre la parole. Jésus prenait un peu de sa salive, il mélangeait avec la terre du sol, il appliquait sur le lieu à soigner. Alors que je ne suis pas Jésus, il n'y a pas de terre, donc je ne vais pas faire cette espèce d'onguent de gadou sur les contractures. Jésus, avec mon doigt, reprendre ce geste-là et ouvrir les oreilles et la bouche pour manifester que le baptême va rendre les enfants-là capables d'entendre la parole de Dieu, sa signification profonde, et de témoigner des beautés du fait d'être chrétien. Efphata, c'est-à-dire ouvre-toi. Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets, qu'il te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Efphata, c'est-à-dire ouvre-toi. Efphata, c'est-à-dire ouvre-toi. Alors la bouche est bien ouverte. Ça fonctionne. Il vous donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Amen. On approche enfin du sommet de cette célébration avec la bénédiction de l'eau baptismale. Baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Ça y est, le baptistère est paré. Il nous faut maintenant quand même être sûr que ces enfants, parce que c'est les parents, parrain, marraine, qui s'en portent garant, renoncent au mal, à Satan et à toutes ses conséquences, et à pièce confessent la Trinité sainte et tout ce qui s'ensuit, les mystères de notre belle foi, auxquels ils doivent introduire, les choses qui vont grandir aussi intellectuellement. Voilà. Nous interrogeons les parents par la même. Renoncez-vous à Satan? Renoncez-vous à toutes ses œuvres? Renoncez-vous à toutes ses séductions? Renoncez-vous. Puis maintenant, plus positif, après ce versant nord, voilà, de renonciation, il va falloir acquiescer. Et nous autres baptisés, de fraîche ou longue date, nous pouvons nous rappeler du jour sacro-saint de notre baptême, ou peut-être tout simplement l'imaginer parce que nous étions tout petits, comme c'était le cas pour moi. Et à chaque baptême, c'est l'occasion de professer à nouveau notre foi. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la Passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Et croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église, que nous sommes fiers de proclamer, dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Voulez-vous? Alors j'ai interrogé les parents par un arène, hein, encore une fois. Voulez-vous que ces trois enfants, Raphaël, Kélian et Kevin, soient baptisés dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Oui, nous le voulons. Ce que vous voulez, Dieu le veut, ça tombe bien. Une fois, ça coïncide. Je vous invite à venir avec l'un après l'autre. Donc d'abord le grand Raphaël, et ensuite les deux petits. Alors, regarde ce qu'on va faire. Regarde, ça, on va te laisser de côté un instant. On va te pencher comme ça sur le côté et je vais te mettre de l'eau. Tu vois, sur le front. Tiens, tu peux toucher pour voir la température. Elle est pas très chaude. Hein. Elle est fraîche, mais comme il fait chaud. Raphaël, vas-y, penche bien la tête comme ça. Raphaël, je te baptise au nom du Père. C'est bien. Et du Fils. Et du Saint-Esprit. Amen. Super. Et voilà, Raphaël, tu es devenu un saint. Imagine un peu, pourvu que ça dure. Voilà. Bien sûr. Là, ça sépare un marraine. Ouais.
Kéliane. Ça va, ça va. Oui. Je te baptise. Bien, bien, bien. Au nom du Père et du Fils. Bien. Et du Saint-Esprit. Amen. Très bien. Et puis enfin. Baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Nous allons célébrer dans la joie ces baptêmes-là, c'est la joie du ciel. Des saints africains au ciel. J'en suis sûr. Non, mais alors là, vous leur avez fait plaisir, là, j'en suis sûr. C'est Jean-Jacques Vidéo. Vidéo. Monsieur 100 000 volts.